mettre le vote au maudit. Et finalement, exactement comme je l'avais prévu, comme je l'avais dit, le vote a aucune... Hey, Alex, c'est trop de crédit partout! C'est grave, je... T'inquiète, Marat! Donc... Que t'as pas, c'est capable de... Oui. Allô? Je prends puis je laisse. Vas-y, on continue, c'est vrai. Brenda, je sais pas. Promis. Je prends et je laisse. Qu'est-ce que t'as pas pour moi? Moi, je t'aime aussi. Non, t'inquiète pas pour moi, je prends puis je laisse. Ah, c'est ni sérieusement, tes mains sentent bon. Un plan pour quoi? Il sent bon ou pas? Avec qui? Ah, non, mais moi, ça m'intéresse pas. Ouais, ben, t'es mieux que t'avais avant toi? Tu peux te les. Ben, moi, j'ai jamais eu d'autres. Mais toi, tu es un fouineur de nature. Oui. J'adore ça, ce que tu m'as fait pour ça dans les cheveux, là. Je capote. Ben, c'est... Hey, reste là. Hey, Alex, pour rien. Reste boire de l'eau, boire de l'eau. Fini. J'adore ça, la nature. Pourquoi? Je garde mes parce que quoi? Mais c'est drôle. Oui. Hey, pas grave, hey, c'est ça. Hey, non! Il y a la paix ici, là! Non, non, j'ai pas de une, c'est calme! Tes paupières sont lourdes! Justement! Tu les as calme avant de promener dans mon lit! Il y en a pas eu de du tout! Non, je vais en chercher une autre. Va là-bas, là. Le coup! T'as les clubs, c'est toi? Et ferme la gueule. Et tu sais très bien que je suis en Eh oh, appelle-moi pas Alexandra, là. On sait très bien pourquoi. Non, ça me donne rien pour m'inscrire votre émission. Ça prend un balotage fort. Sincèrement, là. Que les boss se divisent un peu. Sincèrement, Chris. Depuis la première semaine, j'ai pas voté contre toi. Oui, la première semaine, t'as voté contre toi. Première semaine. Mais depuis la première semaine, j'ai jamais voté contre toi. Moi, je fonctionne un peu pareil. Quand ça sert à mes intérêts. Je pense qu'on est pareil dans ce sens-là. Oui, tu sais qui ça. Le Kodak ici, c'est qui? Mais, première semaine, j'étais un petit peu contre l'idée. C'est parce que tu mets pas tes points, tu sais. T'es pas un leader. C'est pas que les autres sortent un nom puis qu'ils vont avec ce nom-là. Non, du tout. Simplement parce que la première semaine, malheureusement, c'est arrivé. Parce que je t'avais parlé. Tu sais, sincèrement, moi, je suis arrivé, j'ai parlé à Sylvie. C'était, oui, je vote Christelle, aucun problème. Moi, je t'ai parlé à toi, parce que moi, je te connais, je suis en tant que personne, et c'était beaucoup plus ambigu. À ce moment-là, quand j'ai partagé les informations à Cass, parce que quand même... Parce que toi, ton idéal, c'est de perdre à la fin contre des gens comme moi. C'est ça ton but? Non, mon but à la fin, c'est de gagner. Ben, j'imagine. Oui. Parce que tu veux pas perdre contre des joueurs plus petits. Non, pas nécessairement, mais c'est juste parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui ont refusé de venir. Mm-hmm. On parle d'Elisabetta, on parle d'Elodie, on parle de, tu sais, des joueurs marqués. Ben, il en manque trois. Elodie, Sean, puis Betta. Oui. That's it. Il manque personne. Non, il manque Mélanie de la saison 1. Bon, mais elle fitait plus, là. Peut-être qu'elle fitait plus. Plus, ça fit bien plus. Peut-être qu'elle fitait plus, mais on s'entend-tu quand même que... Elle avait sa place face à ce qu'elle avait fait. Ouais, mais... Bon. Moi, c'est sûr que je m'attendais beaucoup à dire tous des joueurs qui avaient marqué. Mm-hmm. Rendu là, quand je suis rentré dans l'offre, moi, j'étais open sur toutes les angles.
Dans le sens que si on m'amenait quelque chose qui me favorisait, et c'est sûr qu'il me favorisait, j'étais prêt à écouter. À écouter quoi? Ben, exemple, Cass a fait le speech de Sam, moi, je veux me battre contre les meilleurs. Je vois pas l'intérêt que je te battrais là. Donc, à court terme. Il est un meilleur investissement. À court terme, lui, il me disait, bon, ben, moi, j'irai pas contre toi parce que ça m'intéresse pas. Mm. Ben, c'est sûr que dans cette optique-là, moi, je regarde ça, je fais comme. Ça sert un petit peu mes intérêts, quelque part. Mm-hmm. Parce qu'il voulait pas voter contre moi, malgré que je le trustais pas entièrement. C'est parce que c'est pas qu'il voulait pas, c'est que t'étais pas disponible à ce moment-là. Non, c'est sûr que j'étais pas disponible, mais je veux dire quand même que. Il m'offrait l'optique de peut-être que. Mm-hmm. Moi, quand j'ai frappé à certaines portes, j'ai fait, est-ce qu'il y a une ouverture? Mm-hmm. On m'a fermé souvent mes portes. Harmonie, moi, le cul!